Laure Maison sur Radio Classique. La fondation SOS Talent vient de fêter ses 20 ans, un anniversaire célébré aujourd'hui sur Radio Classique et que nous allons évoquer ce soir avec celui qui est à l'origine de ce projet éducatif, de cette méthode originale de piano, Michel Sony, ainsi que Laurent Dassault, dont la famille Dassault, soutient depuis le début la fondation SOS Talent. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Votre méthode, Michel Sony, et on a déjà eu l'occasion de l'évoquer ces dernières années sur l'antenne, elle est basée sur le développement de l'imaginaire créatif de l'interprète. Est-ce que vous pourriez nous en rappeler l'esprit, justement ? Eh bien, j'ai voulu un peu remonter, finalement, à l'origine de la notion de la musique. Il faut savoir que dans la Grèce antique, la musique était considérée comme la discipline essentielle pour développer la sensibilité, ce qu'on appelait à l'époque les qualités de l'âme. Et par exemple, Pythagore conseillait à ses élèves de ne jamais se coucher le soir avant d'avoir fait quelques notes sur la lyre. Mais en ce temps-là, les instruments, en particulier la lyre, jouaient pleinement leur rôle. C'est-à-dire, c'était un intermédiaire, l'enseignement était purement oral et c'était très simple. Et on pouvait tout de suite entrer dans le plaisir que vous apporte la pratique d'un art. Et j'ai voulu essayer de retrouver cette philosophie en essayant de développer une méthode qui puisse permettre, dès le début de l'apprentissage, d'éprouver ce plaisir artistique qui consiste à ressentir une émotion et l'exprimer dans un son. Et c'est la raison pour laquelle j'ai composé toute une série d'œuvres didactiques qui permettent d'atteindre ce but, à savoir les prolégomènes à une éthique musicale qui sont un socle qui permet à l'élève, dès le début, de ressentir une émotion et de pouvoir l'exprimer dans un son et dans une mélodie très simple qui lui pose aucun problème. Et cette évolution, elle va se perfectionner, se développer tout au long de l'apprentissage. Et également des études que j'ai composées, il y a tout un cycle, elles sont au nombre de 300, qui permettent, dès le début, d'apprendre les rudiments de la technique pianistique et ensuite d'évoluer jusqu'à atteindre le niveau de virtuosité et la liberté qui convient d'obtenir pour jouer les œuvres du répertoire. Parce que on oublie que toutes les œuvres du répertoire, que ce soit Mozart, Chopin, Beethoven, n'ont jamais été composées pour des gens qui allaient apprendre le piano. Jamais. Et donc, en concevant cet enseignement, j'ai en quelque sorte constitué une forme de raccourci qui permet à tous, indépendamment de l'âge et du don, d'atteindre à ce plaisir musical. Et j'ai transmis le bonheur de pratiquer le piano à plus de 20 000 élèves en à peu près 30, 35 ans. Et donc, c'est une belle carrière. Hein. Voilà. Et dont j'ai eu d'ailleurs dans les années 80 la première épouse de Laurent, comme voilà. Voilà. Oui, Laurent Dassault, puisque vous soutenez, en tout cas votre famille soutient depuis 20 ans. Depuis 20 ans. SOS Talent, oui. Qu'est-ce qui a motivé à l'origine votre engagement ? Ma mère était passionnée de musique. Mon oncle aussi, ma grand-mère jouait du piano, et puis aussi cette méthode de Michel Sony de transfigurer les enfants de 5 ans, puisque les premières élèves sont très jeunes, et de les transfigurer par la musique, de leur faire atteindre un seuil de bonheur. Et ce qu'on dit souvent d'ailleurs, c'est que quand on a la chance d'assister à ce concert, et qu'on ferme les yeux, on n'entend plus les enfants, on entend des grands artistes, ouais. Voilà. Mais avec une âme d'enfant, tout de même, il y a quand ils jouent Michel Sony, puisque vous développez leur créativité, les enfants, ils ont un imaginaire que la société peut-être a bridé. Eh bien, justement, la musique est un art qui permet de développer l'imaginaire, qui permet de développer justement la sensibilité en réalisant une expérience quasi métaphysique qui consiste à ressentir cette sensibilité au bout de ses doigts. C'est assez exceptionnel. Mmh. Et en exprimant une émotion que l'on ressent.
une de mes premières élèves qui a commencé à l'âge de 5 ans avec mon enseignement. C'était une jeune russe qui s'appelle Alexandra Massaleva. Elle travaillait justement le premier socle des prolégomènes et une eidétique musicale. Et chaque pièce lui inspirait un dessin. C'était une chose extraordinaire qu'elle m'envoyait, que j'avais trouvé ça très touchant. Et elle était à un des concerts. Dans la pièce où les élèves attendaient, je vois cette petite fille un peu paniquée. Et je lui dis, allez, viens, tu vas voir, je la prends par la main. Je lui donne confiance et je l'amène au piano. Et c'était un moment d'émotion dans ce concert. C'est merveilleux de pouvoir faire ça chez nous, avec un grand professeur et des jeunes futurs grands artistes. Oui, puisque votre famille, la famille Dassault, accueille tous les ans le concert depuis 20 ans, Talent. Et moi, je me souviens qu'enfant, le cousin germain de mon grand-père Marcel Dassault, Darius Milhaud, est venu jouer au rond-point. Donc, on a déjà une histoire musicale. Justement, c'est un endroit privilégié qui représente peut-être le plus bel écrin que l'on puisse offrir à ces jeunes artistes, qui les inspire, parce que le lieu est aussi magnifique et très inspirant. C'est Katia Bouniatichvili que l'on écoutait ici. Elle n'avait que 14 ans et interprétait ses études de Michel Sony. Katia Bouniatichvili qui a bénéficié de l'enseignement de SOS Talent, dont on fête les 20 ans aujourd'hui sur Radio Classique et en compagnie ce soir de Michel Sony et de Laurent Dassault. Alors Michel Sony, vous avez formé, vous disiez tout à l'heure, 20 000 élèves avec votre méthode. Enfin, j'ai transmis la passion de la musique. Certaines, comme Katia Bouniatichvili, ont fait
une grande carrière. Vous les suivez ensuite, vous les accompagnez lorsqu'elles préparent, ou ils d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que des femmes, vous les suivez lorsqu'ils préparent les grands concours internationaux, lorsqu'ils débutent leur carrière. Bien entendu, la Fondation est un tremplin pour eux. Beaucoup d'entre eux ont déjà participé à des concerts en direct sur Mezzo TV, ça se passait à l'hôtel d'Assaut. On fait beaucoup pour eux, je les ai invités dans des festivals, et jusqu'à les présenter, ce fut le cas de Katia Bouniatichvili et de Yana Vassilieva, une jeune russe également, au Théâtre des Champs-Élysées, c'était en 2001. Et puis après, eh bien écoutez, ils volent de leurs propres ailes, et chacun, en fonction de leur destinée, ben, l'accomplissent avec bonheur, le plus souvent. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai la chance d'avoir une sœur qui reprend elle-même l'œuvre de notre maman. Et c'est important parce que la féminité a plus de sensibilité à la musique malgré tout, surtout au piano. Enfin, je le crois, mais je me trompe. Non, absolument, non. Elle est aussi extrêmement sensibilisée et sensible à la musique. Et je trouve que c'est formidable qu'elle ait repris le flambeau comme ça, et avec tous ses frères derrière elle, pour poursuivre une œuvre qui tenait tant à cœur à Nicole Dassault, qui en a été à l'origine. Tout à fait. Et à mon père aussi, quand même. Qui était présent au concert. Hein. Il n'a jamais loupé un concert. Oui, et pourtant, il n'allait pas souvent à l'opéra. Ouais. Hein, il a toujours été présent. Alors, bien des pianistes que vous formez depuis toutes ces années, Michel Sony, sont issus d'Europe de l'Est. Certains sont russes, certains sont ukrainiens. Lituaniens. Comment vivent-ils, si vous avez encore des contacts avec certains d'entre eux, cette situation si dramatique? Eh bien, je peux vous dire qu'ils le vivent très tragiquement, parce que la plupart ne sont pour rien dans ces affaires, on est bien d'accord. Ils ont des difficultés pour obtenir des visas, pour sortir du pays, et c'est un moment extrêmement difficile. On ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que ça se termine le plus vite possible. Votre soutien, Laurent Dassault, de votre famille, il est artistique, il est musical, il est humain aussi, vous les avez vus grandir. Vous parlez de cette pianiste, Alexandra Massaleva, que vous avez connue à l'âge de 5 ans. Donc j'imagine que vous êtes aussi très soucieux en ce moment de leur avenir. Bien sûr, le drame que vivent les Russes aujourd'hui, c'est tous les Russes qui le vivent. Et on espère tous que la solution va être trouvée et que la paix va revenir dans le monde. Alors SOS Talent a fêté ses 20 ans. Comment percevez-vous l'avenir, Michel Sony? Comment percevez-vous cette nouvelle génération de musiciens, de pianistes? Est-ce qu'elle est différente de celle que vous avez connue depuis deux décennies? Eh bien, je dois dire que la nouvelle génération n'a rien à envier à la précédente. On a les jeunes, on a deux jeunes géorgiens qui ont obtenu les plus grandes récompenses internationales, dont Barbara Tataradze qui sera présente cette année. On a une jeune lituanienne, Milda Donoraïté, qui termine ses études au Royal College of Music et qui a obtenu à Londres et qui a obtenu de grandes récompenses internationales. Et on a aussi un petit lituanien qui a commencé à l'âge de 7 ans, qui a maintenant à peu près 22 ans, qui est Kasparas Mikuzis, qui commence lui aussi une carrière intéressante dans son pays. Ça continue, ça se poursuit, et j'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible. On a la chance d'avoir le soutien de la famille Dassault, ce qui est une chose très importante pour nous, et pour ses enfants aussi, quelque chose d'irremplaçable. Il faut aussi reconnaître qu'on a la chance, avec Michel Sony, d'avoir un passeur de talent et d'émotion. Voilà. Oui, mais le mécénat est tout aussi essentiel pour le développement de ses actions, de la vie musicale. Cet engagement auprès de SOS Talent, Laurent Dassault, il est appelé à se poursuivre, il est pérennisé. Bien sûr, parce que ça fait partie de notre mission. La mission de s'engager pour le futur à partir de ce que nos parents et nos grands-parents ont fait et nous ont appris. Cette mission de continuité est un devoir. Voilà, c'est tout simple. Merci infiniment à tous les deux, Laurent Dassault et Michel Sony. On va se quitter avec Alexandra Massaleva, que vous avez connue à l'âge de 5 ans. Quelques mots peut-être sur cette jeune pianiste. Curieusement, c'est la seule pianiste
que je n'ai pas choisi, figurez-vous. C'était une professeure avec laquelle je travaillais pour une autre élève qui, vu les progrès de cet élève, m'avait demandé l'autorisation de commencer l'enseignement de sa prochaine élève qui arriverait dans sa classe avec ma méthode. Et j'avais donné cette autorisation et cette élève était Alexandra Massaleva. Et ça s'est tellement bien passé. Elle était tellement inspirée par les prolégomènes qu'elle travaillait, qui sont le socle de ma méthode, que je l'ai rencontrée après et que j'ai assumé la direction de ses études jusqu'à la fin. Et elle a quel âge aujourd'hui ? Elle a maintenant 24 ans. Et elle commence une carrière intéressante. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Merci beaucoup Laurent Dassault et Michel Sony. Merci infiniment. Merci Laure Maison. Merci Laure Maison. Merci.
C'est donc la jeune pianiste Alexandra Massaleva que l'on écoutait ici dans quelques pièces dans le style hongrois de Michel Sony. Le journal du classique sur Radio.